Bonjour à tous et à toutes. On va commencer cette première séance de l'an 2018 et on a le grand plaisir d'accueillir Nicolas Curien, professeur à l'Université Paris-Saclay et membre de l'Institut universitaire de France pour un one-man show mathématique qui va nous parler de marches aléatoires et de réseaux électriques. Merci Igor, merci beaucoup, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, c'est un grand plaisir d'être ici, mais c'est aussi un peu de stress, parce que j'ai l'habitude généralement de parler devant un public beaucoup plus restreint. Bon, on va voir. Donc je vais essayer de vous parler de marches aléatoires et de réseaux électriques. Le sous-titre c'était « Les probas s'est branché ». Au début je voulais mettre « Les probas en marche », point d'exclamation, mais je me suis dit que c'était politiquement un peu subversif, donc je me suis retenu, mais je voulais quand même le dire. Donc, oui, le but du jeu, ça va être de vous montrer des connexions entre les marches aléatoires, donc le domaine des probabilités, et les réseaux électriques, plutôt de la physique. Et je vais faire exprès, c'est une volonté de ma part, d'essayer de mêler l'intuition et la rigueur. Et il y aura un moment où vous ne saurez même plus si je suis en train de faire de la physique ou des maths, et de mêler l'intuition mathématique et l'intuition physique. Normalement, c'est le but. Si vous êtes paumé, c'est que j'ai bien réussi. Ok, bon, eh bien commençons. Aussi, oui, s'il y a quelque chose, des choses qui ne sont pas claires au cours de l'exposé, vous n'hésitez pas, vous interrompez, c'est toujours des bonnes questions, et j'ai des chocolats pour les bonnes questions. Alors, marche aléatoire. Bon, marche aléatoire, qu'est-ce que c'est? Bon, on va définir ce que c'est, mais je ne vais pas être lourdingue avec le formalisme probabiliste, et je sais que certains d'entre vous le connaissent, certains d'entre vous ne le connaissent pas, on va reposer sur l'intuition pour écrire des quantités et créer des équations, mais normalement, ce ne sera pas là le problème. Donc, ce sera quoi le contexte? Le contexte, je vais avoir un graphe. Bon, alors, pensez à ce graphe-là. Bon, voilà, j'ai des points, des sommets et des arêtes qui relient les sommets. Et pour les puristes, c'est un graphe fini, connexe, et il est simple ici, il n'y a pas d'arêtes multiples et pas de boucles, mais bon voilà, donc c'est un graphe. Et bien j'ai un marcheur, ou une marcheuse, parce que maintenant... C'est un marcheur, c'est un masculin neutre, hein, c'est pas masculin. Masculin neutre, donc j'ai un marcheur qui démarre d'un certain point, là en rouge, et à chaque instant, il va sauter uniformément au hasard sur un de ses voisins. Ne le faites pas vous, mais... Voilà, donc là, il avait trois voisins, il a pris celui du milieu, il saute uniformément au hasard sur celui-ci. Et après, indépendamment du passé, il refait la même opération, il choisit un de ses quatre voisins, ça peut être celui dont il vient, et il saute dessus, etc., etc., etc. Donc c'est un processus aléatoire qui se balade sur mon graphe. C'est ce point rouge qui se balade sur mon graphe, etc., ad vitam aeternam. D'accord ? Alors, nous, on ne va pas être intéressé par le cas des graphes finis, parce que pour ce qu'on va faire, ce serait trop simple, et on va être intéressé au cas des graphes infinis, mais les cas des graphes infinis qu'on va regarder, ce sera toujours ces trois graphes-là, le graphe Z, qui est la ligne. Alors, je le mets ici, Z, c'est la ligne. Donc, le graphe, c'est la ligne droite, avec les sommets numérotés par les entiers, et les arêtes, ben, c'est les arêtes que vous voyez au tableau. Donc c'est juste la ligne. Après, il va y avoir le graphe qui est Z2. Alors là, ce sera la grille d'écolier, ou Manhattan, si vous voulez, c'est pareil. Les points sont les points de Z2, donc ça c'est 0, 0 par exemple. Et les arêtes sont celles que vous voyez au tableau. Et Z3, c'est un petit peu plus compliqué à dessiner, c'est le réseau en 3D. C'est la Trump Tower. Je ne sais pas comment on peut dessiner ça. Je vais y aller. Voilà, vous voyez un peu ce que je dessine? Donc c'est le réseau Z3. Vous avez plus d'imagination que moi. Donc ça, c'est Z3. Et les arêtes sont les arêtes que vous voyez. OK, donc là, ce qu'on va faire, le marcheur aléatoire, il va démarrer de l'origine, de 0, 0, 0, 0, 0 dans Z3. Et il va choisir un de ses voisins uniformément au hasard. Il va lui sauter dessus. Donc dans Z, à chaque fois, il y a deux voisins, à gauche, à droite. Dans Z2, il y a quatre voisins, à gauche, à droite, en haut, en bas. Et dans Z3, il y a six voisins. Et donc à chaque fois, il choisit un des six voisins uniformément au hasard et indépendamment du passé, et il saute dessus. D'accord? Et donc, j'ai un marcheur qui se balade de manière aléatoire sur ces graphes. Et ce monsieur-là,
Georges Polia, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un E, parce que normalement il n'y a pas de E, parce que c'est un Hongrois. Georges Polia, il a démontré le théorème suivant, alors qu'on va écrire ici, parce que ça va être le théorème qui va nous motiver, le théorème de Polia, qui dit que le marcheur sur Z2 et Z, donc c'est un marcheur aléatoire, mais je vous dis qu'avec probabilité 1, c'est-à-dire je suis 100% sûr qu'il va revenir à l'origine. Il démarre de l'origine, mais il va y revenir. Donc le marcheur sur Z2 revient à l'origine, à coup sûr. D'accord ? Donc, bien entendu, s'il revient à l'origine à coup sûr, il va revenir une fois à l'origine, mais il va aussi revenir deux fois, parce qu'une fois qu'il est revenu à l'origine, vous êtes sûr qu'il va revenir à l'origine après, etc., etc. Donc, en fait, une fois qu'il revient à l'origine une fois à coup sûr, il va revenir une infinité de fois à l'origine. La situation est très différente si le marcheur évolue dans l'espace, et Polia a prouvé qu'en dimension 3, le marcheur sur Z3 peut ne pas revenir à l'origine. Il peut s'échapper à l'infini, toujours le long d'une trajectoire qui est aléatoire, bien entendu, mais il peut s'échapper à l'infini sans revenir à l'origine. Donc, peut ne pas revenir à l'origine, et cette fois-ci avec proba positive. C'est-à-dire qu'il peut revenir avec une certaine proba, mais il peut aussi ne pas revenir. Donc, peut ne pas revenir à l'origine avec proba positive. Voilà. Alors, ça va être le théorème qui va nous motiver. Et on va essayer de le prouver à l'aide des réseaux électriques. Alors, je vous raconte quand même une petite histoire, parce qu'elle est rigolote. L'histoire du théorème de Polia, c'est que Polia, donc c'est quelqu'un qui est né dans les années 1880, 1887, je crois, un Hongrois. Mais dans les années 1920, il était prof à l'université, à l'ETH à Zurich. Et il habitait dans un hôtel, parce qu'à l'époque, les mathématiciens pouvaient se payer l'hôtel tous les jours, il faut croire. C'est plus le cas maintenant. Hein. Et il aimait bien aller dans les bois. Et dans les bois, il dit qu'il croisait souvent un couple d'étudiants ou de collègues. Et ça l'embêtait parce qu'il dit lui et sa fiancée étaient également sortis pour une promenade dans les bois, donc de Zurich. Puis tout à coup, je les ai rencontrés. Bon. Alors, c'est lui et sa fiancée, vous imaginez ce qu'ils peuvent faire dans les bois. Je les ai également rencontrés le matin suivant et même à plusieurs reprises. Je ne me souviens pas combien de fois, mais certainement beaucoup trop souvent, et je me sentais embarrassé. Il m'a regardé comme si je les espionnais, c'est pas normal, hein. Ce qui, je vous assure, n'était pas le cas. Je les ai rencontrés par hasard. Et là, il pose la question, mais quelle est la probabilité que ce soit arrivé vraiment par hasard et non intentionnellement ? Donc, en gros, ce théorème de Polia a été motivé par des regards réprobateurs de son ami et sa fiancée qui le regardaient. Et si vous comprenez un petit peu l'histoire, les bois de Zurich, bon, c'est des bois, d'accord, mais généralement, on ne grimpe pas aux arbres, donc c'est plutôt comme ça, des bois. Et donc, le fait qu'on revienne toujours à l'origine, ça veut dire justement qu'il n'y a pas beaucoup de place dans quelque chose qui est plan, comme une forêt. Et donc, ce théorème est un peu là pour justifier à son ami qu'il l'a rencontré par hasard et non pas intentionnellement. Bon. L'histoire ne dit pas si l'ami était mathématicien et qu'il a cru à cette réponse. Ceci dit, ce théorème a eu d'énormes conséquences en probabilité, mais aussi dans toutes les mathématiques. OK. Des questions sur le théorème ? Alors, maintenant, on va essayer d'expliquer ce théorème à l'aide des réseaux électriques. Alors, je vous rassure, pour moi, les réseaux électriques, j'ai juste besoin de résistance. Vous oubliez les bobines, vous oubliez les condensateurs et tout ça, de toute façon, je ne me souviens plus. Donc, vous reprenez votre graphe, le graphe initial sur lequel votre marcheur se déplace, et vous remplacez chaque arête du graphe par une résistance de 1 ohm. Est-ce que c'est vraiment 1 ohm, ça ? On la prend encore, la table en techno, là ? Alors, je vous l'ai remise là. Donc, vous prenez la première truc ici,
c'est brown, donc c'est brun, donc c'est 1. Le deuxième, c'est un multiplicateur, 0. Donc vous multipliez par rien ici. La troisième bande ici, c'est en or, gold, donc vous mettez rien. Donc ça fait bien 1 ohm à plus ou moins 5%. Bon. C'était donc une blague. Bon, d'accord, on va l'oublier. C'était vraiment 1 ohm. Voilà, alors vous avez votre réseau électrique de résistance. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ? Bah, avec un réseau de résistance, la seule chose que vous pouvez faire, c'est lui mettre une pile dessus. Et vous mettez une pile, et puis vous regardez ce qui se passe. Alors, c'est super marrant. Et vous connaissez certaines lois physiques qui régissent ce réseau. Alors, la première que vous connaissez, c'est la loi d'Ohm, qui dit U égale RI. C'est fou, parce qu'en américain, c'est V égale RI. Mais nous, c'est U. Bon, allez comprendre pourquoi. Donc, la loi d'Ohm, le voici, Ohm, il regarde à droite. U égale RI. Il y a d'autres choses que vous connaissez. Donc, je refais ici la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est vous avez une arête, vous avez une résistance, vous avez une différence de potentiel, U, et vous avez un courant électrique qui passe. Alors, je vais mettre la différence de potentiel comme ça. Eh bien, la loi d'Ohm, elle dit U égale RI. D'accord ? Mais vous avez aussi d'autres lois que vous devez connaître, oui ? Les associations en série et parallèles de résistance. Alors ça, on peut les voir comme... En fait, on va les voir comme des conséquences de la loi d'Ohm. Voilà, il y a les lois des nœuds et les lois des circuits de M. Kirchhoff, qui regarde à gauche. M. Kirchhoff, le plus difficile, c'est de bien l'écrire. Kirchhoff, il dit il y a la loi des nœuds et la loi des circuits. Qu'est-ce que c'est que la loi des nœuds ? Ben, la loi des nœuds, c'est vous prenez un sommet et vous regardez toutes les intensités qui rentrent dans ce sommet, toutes les intensités qui rentrent, et vous les mesurez le long de ces arêtes. C'est-à-dire, ici, il peut y avoir une intensité de moins 1 qui rentre, parce que, en fait, ça veut dire que le courant sort comme ça. Mais si je la mesure comme ça, je mets un moins. D'accord ? Eh bien, la loi des nœuds de Kirchhoff, elle dit que la somme des intensités entrantes dans un sommet, c'est égal à 0. En gros, ce qui rentre doit sortir. Je vous donne quelque chose qui est possible. Par exemple, quelque chose qui est possible, c'est il y a 1 qui rentre là et qui ressort là, et là, vous n'avez rien. Ça, c'est possible. Mais un truc qui n'est pas possible, par exemple, c'est que vous ayez 1 qui rentre ici, 1 qui sorte là, 1 qui sorte là, et 1 qui sorte là. Ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir une intensité de 1 qui rentre et 3 qui sortent. Donc ça, c'est impossible. C'est ça la loi des nœuds de Kirchhoff. Et vous avez aussi la loi des circuits. Alors la loi des circuits de Kirchhoff, elle vous dit que si vous prenez un circuit... Merci mon brave. La loi des circuits vous dit que si vous regardez les différences de potentiel le long d'un circuit, donc là vous pouvez avoir une différence de potentiel de 1 volt, donc vous avez U1, ici U2, U3, U4, U5, et bien la loi des circuits vous dit que la somme des différences de potentiel le long d'un circuit, eh bien, ça doit faire 0. Hein, parce que ce sont des différences de potentiel. Donc, si vous faites ça moins ça, plus ça moins ça, plus ça moins ça, plus ça moins ça, plus ça moins ça, eh bien, ça fait 0. D'accord. Ben, vous avez ces deux lois-là. Alors, j'ai mis physique de collège. Je ne sais plus si c'est au collège, au lycée ou en prépa qu'on voit ça. C'est au collège ? Non. C'est pas au collège ? Parce que vous êtes au collège et vous ne l'avez pas vu ? Non. Parce que vous êtes en prépa et que vous ne l'avez pas vu. Non ? Ben voilà, non mais vous... Ben, prenez un voltmètre chez vous, vous pouvez les voir empiriquement, ces lois. D'accord. Est-ce que vous savez aussi peut-être, ce qui est relié à la réponse de tout à l'heure, c'est que vous avez la notion de résistance équivalente. C'est-à-dire que là, vous avez une pile de 1 volt. Ça va, si vous faites ça, vous mettez une pile de 1 volt, il va y avoir un certain courant électrique qui va passer dans votre circuit. Mais si vous changez pour une pile de 2 volts,
bien le courant électrique qui va passer, il est deux fois plus grand. Donc tout ça, ça dit que, en fait, ce réseau se comporte comme une autre résistance, pas de 1 ohm cette fois-ci. Alors ne calculez pas, parce que là, je ne me suis pas embêté à faire le truc exact. Hein. Mais donc, ce circuit se comporte comme une grosse résistance, dont la valeur, on va l'appeler la résistance effective, RF. OK ? Alors ça, c'est de la physique. C'est quoi le rapport avec le Schmilblick des marches aléatoires ? Voilà, je vais vous dire c'est quoi le rapport. Bah, le rapport, c'est que à gauche, vous avez votre circuit physique où vous avez mis des résistances, et vous pouvez calculer quelque chose. Ce quelque chose, c'est la résistance effective. C'est une quantité. Et donc la résistance effective, comment vous la calculez si vous voulez vraiment faire l'expérience? Vous mettez une pile de 1 volt, vous calculez l'intensité et vous mettez la loi d'Ohm. 1 volt, 1 égale la résistance effective fois l'intensité que vous calculez avec votre voltmètre. D'accord? Et donc vous dites, bah, la résistance effective, en fait, c'est égal à 1 sur l'intensité quand la différence de potentiel vaut 1, quand vous mettez une pile de 1 volt. Ça n'existe pas, les piles de 1 volt, c'est 1,5 hein, à chaque fois, non? Donc, vous 1,5, enfin, vous avez compris le truc. D'accord, donc ça, c'est en électricité. À droite, maintenant, vous avez votre graphe et vous avez votre marcheur et vous avez envie de faire le jeu suivant. Vous avez envie de faire démarrer votre marcheur au point bleu, en IN, là où vous avez branché le pôle plus de votre batterie, de votre pile. Et vous avez envie de faire courir votre marcheur jusqu'à ce qu'il touche le point rouge. Le point rouge, c'est l'arrivée. C'est là où vous avez branché le pôle moins de votre pile. D'accord? Et vous pouvez calculer quelque chose. Et ce quelque chose, c'est... Ah! Alors, je l'explique. Je vais l'expliquer deux fois pour être sûr que tout le monde comprend. Cette notation, c'est... Je démarre du point bleu. Je démarre de IN. Et je me demande... Quelle est la probabilité qu'en marchant au hasard sur ce graphe, je touche le point rouge avant de revenir au point bleu? Scrooge, scrooge, scrooge. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je vais faire un petit dessin. Ici, j'ai mon point bleu. Mon point bleu, c'est mon point de départ. Et j'ai mon point rouge. Mon point rouge, c'est mon arrivée. Mon marcheur aléatoire, il peut très bien faire ça. Ah, s'il a fait ça, il est parti de bleu et il a touché rouge avant de retoucher bleu. Mais il aurait pu aussi faire ça. Ah ben là, il a retouché bleu avant de toucher rouge. Donc tout ça sont des choses qui sont possibles et je calcule juste la probabilité que mon marcheur touche le point rouge avant de retoucher le point bleu. D'accord ? Eh bien, la connexion entre les réseaux électriques et les marches aléatoires, c'est que ces deux quantités-là sont grosso modo les mêmes. Eh bien, je vais vous le montrer. Enfin, nous allons le voir. Alors, je fais comme ça et comme ça. OK. Alors, je le redis, notre but, ça va être de relier la résistance effective à la probabilité que mon marcheur, quand il démarre du point IN, il touche OUT avant de retoucher. Avant de retoucher IN. D'accord ? Bon, on va déjà regarder ce qui se passe du côté du réseau électrique, essayer de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que ce RF. Alors, côté réseau électrique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un réseau électrique quand vous branchez une pile ? Donc je vais essayer de reprendre, je vais faire un graphe. Ce n'est peut-être pas forcément le même parce que je ne le connais plus par cœur, mais bon, vous avez un graphe.
Voilà. Vous avez votre in, vous avez votre out, et vous allez brancher une pile. Alors, vous allez... Le plus, c'était la grande barre, hein, c'est ça ? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous branchez votre pile de 1 volt ? Ben, votre pile, elle commence à se décharger. Et elle se décharge. Donc, vous savez que vous, si vous prenez un voltmètre, vous avez déjà vu un voltmètre, ça a deux pattes. Si vous mettez les deux pattes du voltmètre, une ici, une là, il va vous dire, ça fait 1,5 volts. Allez, pensons à 1, d'accord ? Donc, il y a une différence de potentiel. Le U, la différence de potentiel, ça vaut 1 volt. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une différence de potentiel ? Bien, ça veut dire qu'il y a une fonction petit v qui va des sommets du graphe, donc les sommets du graphe, je vais l'appeler g, dans R, qui est une fonction potentielle, et vous, vous avez accès à vos différences de potentiel. Donc ce qu'on va faire, on va fixer les choses, on va dire, bah, en gros, j'ai le potentiel en in qui vaut 1, et j'ai le potentiel en out qui vaut 0, comme ça j'ai une différence de potentiel, v in moins v out, qui vaut bien 1. Pardon. D'accord ? Ça, c'est ce qui se passe quand vous branchez les deux pattes de votre voltmètre. Ça calcule des différences de potentiel. Vous avez déjà entendu ce nom, hein, différence de potentiel. OK. Mais maintenant, avec votre voltmètre, donc vous laissez une patte là, et maintenant, vous allez brancher l'autre patte du voltmètre sur tous les points là. Ben, vous mesurez des autres différences de potentiel. D'accord ? Donc en gros, si vous mettez la patte de votre voltmètre ici, vous allez mesurer la quantité qui est le potentiel ici moins le potentiel là. On l'a fixé à 0. Donc en gros, vous pouvez avoir accès au potentiel en ce point-là, ce point X. Et j'appelle ça V de X. D'accord ? Alors, à votre avis, ça vaut combien la valeur là ? Je ne vous demande pas. Mais si votre voltmètre ici, il a mesuré 1 volt, ici, il va mesurer combien ? Voilà, plus petit que 1 volt. Ça doit être plus petit. Ça serait vraiment bizarre que là, j'ai 2 volts. Mais bon, pourquoi pas. OK, donc j'ai cette fonction potentielle. Mais j'ai quelque chose d'autre que le potentiel. J'ai l'intensité. Alors, c'est quoi l'intensité ? L'intensité, vous le faites au collège ou au lycée, l'intensité, si vous prenez le long d'une arête comme ça, I. Alors cette arête, je vais l'appeler E. E comme arête. Je la prends dans ce sens-là parce que vous savez très bien que si je prends l'intensité dans le sens-là pour une arête, c'est moins l'intensité dans l'autre sens. Donc l'intensité, c'est vraiment quelque chose qui est dirigé. Et donc, si je prends une arête que je note x, y, comme ça, donc mon arête, c'est x, y, et je me demande quelle est l'intensité qui se trimballe comme ça. Eh bien, la loi d'Ohm vous dit, ah ben, l'intensité, U égale RI, mais toutes mes résistances ici, c'était 1 ohm, donc U égale RI, donc 1 ohm fois l'intensité égale la différence de potentiel, c'est V de X moins V de Y. D'accord ? Donc en gros, si vous avez plus de potentiel ici que là, normalement, votre intensité, elle coule. Alors, peut-être qu'il y a des profs de physique qui vont me dire que c'est l'inverse, mais mettez un moins partout si c'est... Moi, je le vois... Pensez à l'analogie hydraulique. Là, vous êtes plus haut que là, donc ça coule. OK. On va l'oublier, le 1 ohm, parce que c'est 1. Donc ça, c'est la loi d'Ohm. Bien, remarquons que cette loi d'Ohm... Si vous la combinez avec la loi des nœuds, donc qu'est-ce qu'elle vous disait la loi des nœuds ? Elle vous disait, si je prends un sommet, que je vais appeler X, et que je regarde tous ses voisins, donc Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, La loi des nœuds nous disait que la somme des intensités
X, Y, I. Ici, pour... je vais mettre les Y. Y, voisin de X. Ça, ça veut dire voisin de X. D'accord ? Donc ici, je somme juste sur les 6 sommets que vous voyez là. Ben, vous savez que ça, ça doit faire 0. Parce que l'intensité qui rentre dans un sommet doit en ressortir. Ah ! Mais j'ai ça. Et donc ça, c'est équivalent à... Je somme les V de X moins V de Y, les potentiels V de X moins V de Y, pour tous les Y qui sont voisins de X, eh bien, je dois tomber sur 0. Bon, ben cette équation, je vais la réécrire encore sous une forme. Cette forme-là, je vais juste... V de X, ici, c'est une constante dans ma somme. Ah oui, mais je la somme plusieurs fois. Je la somme autant de fois qu'il y a un voisin de X. Donc ça, grattez-vous un petit peu la tête et vous voyez que c'est juste le degré de X. Donc le degré de X, ça c'est le nombre de voisins. Le degré de X fois V de X est égal à la somme, est égal à la somme des V de Y pour Y voisin de X. D'accord ? Et je vais juste la réécrire comme ça. Le degré de X ici, je vais le mettre là. 1 sur degré de X. D'accord ? Bon. Pourquoi pas, me direz-vous ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça, ça a une interprétation en fait assez simple. Regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire que si je prends un sommet X, vous êtes déjà tous paumés ou... Je prends un sommet X et je somme les potentiels de tous les voisins de X et je divise par le degré de X. Ben ça, c'est quoi ? C'est juste faire la moyenne des potentiels autour de X. Ça, c'est une moyenne des potentiels autour de X. Eh bien, ce que cette égalité vous dit, ça dit que la moyenne des potentiels autour de X est égale au potentiel en X. Et ça, on dit que V satisfait la propriété de la moyenne. La propriété de la moyenne. En gros, la fonction en un point est égale à la moyenne de la fonction sur les points autour. D'accord ? Ça, c'est la propriété de la moyenne. Ah ! Remarquez que j'ai dit une petite bêtise, ce ne sera pas la seule. La loi des nœuds, elle n'est pas vraie ici. Ben oui, parce que ici, ma pile, elle injecte du courant. Donc, le courant qui sort ici et le courant qui sort ici, ben, y a du courant qui sort, mais il n'y en a pas qui rentre. D'accord ? Donc, en fait, cette loi des nœuds, elle est vraie sur tous les points à l'intérieur de mon circuit, pas au point extrémo, là où je branche ma pile. D'accord ? Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai sur les points de G, sauf in et out. D'accord ? OK. Bon, effectivement, si on fait ça au collège, je pense que... Alors, maintenant, regardons du côté des marches. Du côté des marcheurs. Alors, le côté des marcheurs, je reprends le même graphe. Ça, c'est mon point de départ. Ça, c'est mon point d'arrivée. Et je vous rappelle, moi, j'étais intéressé à la quantité qui est encore écrite là. C'est je démarre de in
et je me demande quelle est la probabilité que je touche out avant de retoucher in. Eh bien, je vais regarder la fonction suivante. Regardez la fonction w. La w qui est en un sommet x, donc ça c'est un sommet du graphe. Est égal à la chose suivante, alors je fais un petit peu appel à votre intuition probabiliste, c'est la probabilité, je mets un x en dessous parce que ici c'est en partant de x. C'est la probabilité de en partant de x parce que tout à l'heure, ma marche, elle démarrait de in. Mais si vous prenez un sommet x, vous pouvez très bien imaginer que vous démarrez votre marche aléatoire de x. Eh bien, je pose la même question. Quelle est la probabilité que en partant de x, je touche mon marcheur touche out avant de toucher in. D'accord ? Ah, je peux dire des choses très, très, très idiotes sur cette fonction. Les choses très, très, très idiotes, c'est quelle est la valeur en in. Quelle est la probabilité que, en partant de in, je touche out avant de toucher in. Mais je suis déjà en in. Et ça me fait dire que je veux toucher in avant de toucher out. C'est pas grave, c'est pour les besoins de la pédagogie. Je refais le même sketch. Je démarre de in. Et je me demande quelle est la probabilité que je touche in avant de toucher out. Mais je suis déjà en in. Donc je sais que je vais le toucher, j'y suis. D'accord ? Donc W in, ça vaut 1. De manière similaire, comique de répétition, que vaut W out ? Je démarre en out et je me demande quelle est la probabilité que je touche in avant de toucher out. Mais je suis déjà en out, donc je le touche out. Donc ça vaut 0. D'accord ? Et en fait, je prétends, et il n'y a pas que moi qui le prétends, que si vous prenez un sommet qui est différent de in et différent de out, alors, cette fonction, wx, eh bien, ça vaut exactement 1 sur le degré de x, la somme sur les y voisins de x, de w de y. On s'arrête 30 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je prétends que, alors pour ceux qui connaissent, c'est juste une application de la propriété de Markov faible au temps t égale 1. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va le faire. Vous avez x, vous avez votre graphe, quelque part vous avez in et vous avez out. Et vous faites la compétition, c'est le premier qui touche in par rapport à celui qui touche out. Donc vous démarrez de x. Et vous vous demandez, est-ce que vous allez toucher in avant de toucher out? Puisque vous êtes en x, qui n'est ni in ni out, j'ai réfléchi longtemps à savoir si je devais appeler ça début et fin, mais début ça a 5 lettres, fin ça a 3 lettres, ça a 2 lettres et 3 lettres. Donc vous ne m'en voulez pas pour l'anglais. Donc je reprends, je démarre de x, et je me demande, est-ce que je vais toucher in ou out? Je ne le touche pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un pas de ma marche aléatoire. Mais ce pas de ma marche aléatoire, il va sauter sur un des sommets y, y1, y2, y3, un de ces sommets qui sont des voisins de x, uniformément au hasard. Donc je tombe sur celui-ci avec probabilité 1 sur le nombre de voisins, qui est 5. Je tombe sur celui-ci avec probabilité 1 sur 5. Je tombe sur celui-ci avec probabilité 1 sur 5, etc., etc., etc. Donc je fais déjà ce pas, je fais un pas. Je tombe sur un de mes 5 sommets
chacun avec probabilité 1 cinquième. Mais une fois que je suis en Y1, je me dis « Ah !» Mais moi, ce que je veux maintenant, c'est savoir si je touche avant de toucher « Out ». Quand je suis en Y1, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ma marche, c'est comme si elle démarrait de Y1 maintenant. Non? Ça s'appelle la propriété de Markov. Ça demande une démonstration mathématique que je ne vais pas vous faire. Parce qu'il aurait fallu que je vous définisse le processus. Je n'ai pas envie de le faire. Mais vous avez bien compris ça. OK, donc, vous me le donnez. Donc ça, je prétends qu'on l'a aussi pour cette fonction. Alors maintenant, on prend un peu de recul et on regarde ce qu'il y a au tableau. On a regardé du côté du réseau électrique et on avait ma fonction potentielle, et ma fonction potentielle, ce qu'on savait, c'est qu'elle satisfaisait la propriété de la moyenne. Et que ma fonction potentielle, elle valait 1 en in, 0 en out. Et là, du côté des marches aléatoires, je vous ai défini une autre fonction que j'ai subtilement appelée W, pour ne pas l'appeler V, qui a les mêmes conditions au bord, W in vaut 1, W out vaut 0, et qui satisfait la même équation. C'est la propriété de la moyenne. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pardon? D'accord, comment vous faites la preuve? Non, je rigole. Oui, vous avez envie de dire, OK, c'est bon, ça va me caractériser mes fonctions, et je vais avoir W égale V. Eh bien, allons-y, théorème. Théorème, on a bien V égale W. En fait, le théorème que je vais montrer est un petit peu plus fort que ça. Le théorème que je vais vous montrer, c'est le suivant. Alors, accrochez-vous à vos ceintures. Je vais prendre un graphe. Simple, fini. Et je vais prendre une condition au bord. Une condition au bord, c'est certains sommets sur le bord. Dans notre cas, ici, c'était deux sommets, in et out. Et la condition au bord, je l'appelle le bord de G. D'accord? Et ce que je vais me demander, c'est ce qu'on appelle le problème de Dirichlet, c'est, je vais me demander, existe-t-il une fonction que je vais appeler f, qui va donner des sommets de mon graphe dans R, tel que f sur le bord de G est prescrite. Ça vaut un certain f0. Donc pensez à des valeurs. Ici, vous pensez à 17, pi, 4, 2, moins 4, 8, 17 tiers, 0, 1 et 42. Voilà, vous avez fixé des valeurs sur le bord et vous vous demandez, est-ce qu'il existe une fonction qui a ces valeurs sur le bord et qui est la propriété de la moyenne à l'intérieur, et telle que f est la propriété de la moyenne à l'intérieur, c'est-à-dire dans G privé de son bord. C'est-à-dire que pour n'importe quel sommet à l'intérieur, ici, f est égal à la moyenne des valeurs autour de ce point. D'accord? Eh bien, le théorème, c'est, existe-t-il une fonction? Ça, c'est une question. Le théorème, c'est, oui, une seule. D'accord? Donc ça vous dit que si vous avez un graphe, vous vous donnez des valeurs sur le bord et vous vous dites à l'intérieur, j'ai la propriété de la moyenne, alors c'est bon, votre fonction, vous la connaissez. Il en existe une unique qui satisfait ces deux propriétés. Ah ben oui, ça m'implique bien V égale W parce que ici, mon graphe, c'était juste le graphe que vous voyez là et les deux points sur le bord, c'était juste in, out et donc mes deux fonctions
elles avaient exactement ces deux propriétés-là. Elles étaient fixées sur le bord, elles avaient les mêmes conditions au bord, 1 et 0, et elles avaient la propriété de la moyenne à l'intérieur. D'accord ? On va prouver ça, c'est assez rigolo. Ceux qui ne connaissent pas d'algèbre linéaire, vous mettez sur off, je vous dirai quand est-ce que vous rallumez. Ceux qui connaissent un petit peu d'algèbre linéaire, devoir surveiller à la fin. Alors, bon, regardons ce que c'est. On se gratte un petit peu la tête et on se dit, je me suis fixé des valeurs sur le bord et je veux une fonction. C'est quoi mes inconnus ? Les inconnus, c'est les valeurs de la fonction f pour les points x qui sont à l'intérieur de mon graphe, c'est-à-dire j'ai privé de son bord. Ça, c'est mes inconnus. Il faut que je trouve ça. Quelles sont mes équations ? Mes équations, bien en fait, c'est ça. C'est la propriété de la moyenne en chaque point. Combien j'ai de points à l'intérieur ? Ah ben j'en ai. Donc les équations, c'est la propriété de la moyenne en chaque x appartenant à g privé de delta g. On est bien parti. On a autant d'inconnus que d'équations. Il y a un métathéorème qui dit que c'est bon. Le métathéorème, il faut le prouver. Mais ici, c'est mieux, parce que ces équations, ce sont des équations linéaires en mes inconnus. Regardez la tête que ça a. Ça, je divise par un nombre, je fais une somme, ce sont des choses linéaires. D'accord ? Donc, ce système-là, avec mes inconnus et mes équations, il s'écrit de la forme A fois X égale B0. Ça, ce sont mes inconnus. Ça, ce sont mes équations. Et ça, ce sont mes données. Et mes données, ici, elles sont prescrites par la fonction F0 sur le bord. Donc, si vous écrivez toutes ces équations-là, vous pouvez les ranger sous un système linéaire avec une matrice qui est, si ça, c'est de taille n, ça, c'est une matrice n par n, et ça, c'est n inconnu, et ça, c'est un vecteur dans Rn. Donc, vous avez un système linéaire bien dimensionné. Et vous voulez savoir si ce système a une unique solution. Là, je parle à ceux qui connaissent de l'algèbre linéaire. Les autres, gardez vos boules caisses encore. Hein. Oui ? B0, c'est un vecteur qui va dépendre de F0. Il y a plein de zéros dedans. Parce que quand j'écris ça, quand j'écris la propriété de la moyenne et que je suis bien à l'intérieur du graphe et que je ne vois personne autour, j'ai juste machin, machin égale 0. Mais quand je suis sur un point ici, là, quand j'écris ma propriété de la moyenne, ici, j'ai mes inconnus, mais ici, j'ai des données. Donc c'est un vecteur, là, je n'ai pas envie de l'écrire. Hein. Et alors maintenant, j'adore ça, ce raisonnement-là, parce que si vous le faites à quelqu'un qui n'a pas fait d'algèbre linéaire, il vous regarde avec des yeux exorbités, vous voulez montrer qu'il y a une unique solution. Et vous dites à ce monsieur, ou à cette madame, vous lui dites, « Ah, mais si vous me montrez qu'il y a au plus une solution, ben je vous dirai qu'il y en a une. Quoi » Quoi ? Quoi ? Quoi ? Refais-le-me-le. « Je vous dis qu'il y a au plus une solution, je ne sais pas s'il y en a une, mais je vous dis qu'il y en a au plus une. » Alors vous dites, ah ben c'est bon, il y en a une. Quoi ? C'est compliqué ? C'est bizarre ? Je vous dis, il y a au plus une solution. Alors vous me dites, ah ben c'est bon, il y en a une. Donc ceux qui ne font pas d'algèbre linéaire, ça doit être une motivation essentielle pour faire de l'algèbre linéaire. Ça, vous voulez comprendre ça ? Ceux qui font de l'algèbre linéaire, je devrais voir des... Que vous le savez, ça, pour un système linéaire, ceux qui ont fait un peu de prépa ou d'algèbre linéaire, pour un système linéaire, si vous avez au plus une solution pour tout B ici, bah vous savez que ce truc-là, que cette matrice est injective, mais si elle est injective, elle est surjective, et donc et si et seulement si, machin. Okay ? Ah, mais il faut quand même que je vous prouve qu'il y a au plus une solution. On va le prouver.
Donc je l'écris, ça je l'écris pour ceux qui ne font pas d'algèbre linéaire. Je veux que ce soit mystérieux pour vous. Donc je dis, il y a au plus une solution. Alors, dans ce cas, c'est bon. Il y en a une. Et donc une seule. Parce que je vous dis qu'il y en avait au plus une. Mais ce qui est très fort, c'est que d'une restriction, vous arrivez à dire une existence. OK. Donc ça c'est le mystère et la beauté de l'algèbre linéaire. Et moi, je vais vous montrer qu'il y a au plus une solution. Et ça, c'est très facile, montrer qu'il y a au plus une solution. En gros, je prends deux solutions et je vous dis que c'est la même. OK, alors, faisons une preuve de ceci. Alors, je prends deux solutions. Donc, soit F et G, deux solutions du problème étoile. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de regarder F-G. Parce que si on regarde F-G, ça va être solution de quoi? Alors c'est une fonction qui est définie sur mon graphe. J'ai pris deux fonctions F et G qui ont les mêmes valeurs ici. J'en fais la soustraction. Donc quelles vont être les valeurs sur le bord? 0. Donc F-G, je vais l'appeler H. Et cette fonction H, elle vaut 0, 0, 0, 0, 0 sur tout le bord. Mais je prétends qu'elle a encore la propriété de la moyenne à l'intérieur. Ben oui, regardez un peu ce que c'est que la propriété de la moyenne. C'est un truc comme ça. Si vous écrivez ça pour F, ça pour G, vous faites la différence, vous l'avez pour H. Donc j'ai une fonction qui a la propriété de la moyenne à l'intérieur et qui vaut 0 sur le bord. Eh bien, je prétends que cette fonction, c'est la fonction nulle. Il n'y a pas qu'une seule qui fait ça et c'est la fonction nulle. Et alors essayez de suivre l'argument parce que c'est très joli. L'argument, c'est le suivant. Supposons que ce ne soit pas 0, la fonction nulle. Dans ce cas, il y a un point à l'intérieur où la fonction ne vaut pas 0. Et je vais considérer un point tel que la fonction atteint sa valeur maximale. 17, par exemple. C'est la valeur maximale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les voisins de 17, ils ont des valeurs moins que 17. Par exemple, il peut y avoir 17 là, mais là il y a par exemple 16, là il y a par exemple 14, il y a 17, mais il ne peut pas y avoir de 18, hein. 4 et moins 2. Et vous regardez ça et maintenant vous êtes à la fin du premier semestre, vous regardez vos notes en maths, vous avez eu moins 2, vous avez vraiment raté là, moins 2, 4, 17, 14, 16, 17, ça c'est vos notes, et vous regardez votre moyenne, et vous dites j'ai 17. Donc vous vous dites que le prof de maths est encore plus nul que vous. C'est pas possible. C'est pas possible. Si vous avez que des notes moins de 17, vous pouvez pas avoir 17 de moyenne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez que des notes moins de 17 et que vous avez 17 de moyenne, il n'y a qu'une seule solution. C'est que vous ayez que des 17. Vous avez que des 17. La régularité dans vos contrôles de maths. Mais dans ce cas, vous vous mettez en ce point-là, c'est aussi la valeur maximale, et ça veut dire que tous les voisins de ce 17 valent aussi 17. Et vous avancez comme ça de proche en proche, et il y aura bien un moment où vous allez atteindre un point qui est un voisin sur le bord. Mais là, vous avez une contradiction, parce qu'il y a un 0 là, ça ne peut pas être un 17. Vous voyez, de proche en proche, si vous avez un 17, tous les voisins sont 17. Et donc vous étendez ça de proche en proche sur tout le graphe, et vous avez une contradiction au moment où vous touchez le bord. D'accord ?
OK. Ça, c'est la fin de la demi-preuve, parce qu'il faudrait considérer le cas où vous avez des valeurs. Bon, bref. C'est la fin de la demi-preuve pour « il y a au plus une solution ». Donc, ce machin, ce théorème, il a toujours une solution. Revenons à nos moutons. C'était quoi nos moutons ? Ça fait 45 minutes que j'essaye de vous convaincre qu'il y a un lien entre la résistance effective et un truc de proba. Bien, bien, bien. Et là, ce qu'on vient d'établir, c'est que le potentiel électrique, il a une interprétation en termes de marche aléatoire. OK. Alors là, c'est un tout petit poil indigeste, mais tant pis, hein. Je vais le faire là-haut. Tableau 1, descente. Tableau 2, montée. Tableau 2, montée. Tableau 2, montée. Tableau 1, montée ? Non. Tableau 1, descente. Non. Tableau 1, descente. Tableau 2, montée. Peut pas. Bah tant pis. Non. Tableau 2, montée. Ah. Non, non, non. Tableau 2, montée. Tant pis. Bon, tant pis. On va faire avec. Ah. Tableau 1, montée. Tableau 1, stop. Récupération du truc. Tableau 1, descente. Aïe ! Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, revenons à nos moutons. Donc, on a notre réseau électrique. Peu importe, hein, mais bon, autant faire les choses bien. On a notre réseau électrique et on avait notre fonction potentielle avec un potentiel en out qui valait 0 et un potentiel en in qui valait 1. Mais c'est quoi la résistance effective là-dedans ? Ben, la résistance effective, elle est reliée à l'intensité qui traverse votre circuit électrique. Alors, c'est quoi l'intensité qui traverse le circuit électrique ? Ben, l'intensité qui traverse le circuit électrique, c'est l'intensité qui démarre d'ici et qui démarre d'ici. C'est l'intensité qui rentre là-dedans, donc c'est l'intensité qui sort. D'accord ? Donc, l'intensité total, ici, c'est celle qui rentre là, donc c'est celle qui sort ici. Donc c'est V in moins V de Y pour les Y voisins de in. Pourquoi ? Parce que ici, il y a deux voisins à l'entrée. Je regarde la différence de potentiel le long de cette arête, c'est V de in moins V de y. Là, pareil, c'est V de in moins V de y avec ce y-là. Et ça, c'est l'intensité qui va partir ici, et ça, c'est l'intensité qui va partir ici. D'accord ? Donc ça, c'est l'intensité totale qui coule dans mon circuit. Ça, c'est mon intensité totale. Et par définition, on a dit l'intensité totale U égale RI, U égale 1, 1 sur R égale I. Donc ça, c'est 1 sur la résistance effective. Si vous voulez, ça, c'est une définition. C'est une définition si je faisais des maths, mais en électricité, c'est ce que vous mesurez. Hein ? Plus la résistance effective va être grande, moins il va y avoir d'intensité dans votre circuit. Ah ! Mais maintenant, ça, c'est 1 sur la résistance effective. Maintenant, on regarde cette quantité-là et on va changer subtilement mes V en W. Parce que puisque V égale W, je vous le rappelle, ça, c'est aussi W de in moins W de y pour les y voisins de in. Ouh là là, mais c'était quoi W déjà ? Ah bah oui, c'est là que je me fais avoir. W de x, c'est la proba en partant de x
de toucher in avant out. Donc, win, c'est quoi? C'est 1. Ça, c'était 1. Ça, c'est la proba en partant de y, de toucher in avant de toucher out. 1 moins la proba de machin, je prétends que ça, je vais l'écrire et on va le voir après, ça, c'est la proba en partant de y, de toucher out avant de toucher in. C'est l'événement complémentaire. Il y a un petit... petite subtilité sous le tapis, mais c'est pas grave. Toucher out avant in. Hein? Parce que si vous touchez pas in avant de toucher out, c'est que vous touchez out avant de toucher in. N'est-ce pas? Donc, là, vous êtes en train de sommer sur les y voisins de in, de la probabilité de toucher out avant de toucher in. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais cacher 1 de la façon suivante. Je vais dire que 1, c'est égal au degré de in divisé par 1 sur le degré de in. Là, vous devriez être d'accord avec moi. Hein. Le degré ne vaut pas 0. Et ça, c'est quoi? Ben, je vous ai déjà fait le coup. Donc, vous allez commencer à y croire. Ça, je prétends que le truc en rouge, c'est la probabilité, en partant de in, de toucher out avant subtilité, de revenir à in. Quelle est la différence ? Revenir à in, ça veut dire que si je suis à in, pour la première fois, je ne le touche pas. Il faut que je revienne à in. Et là, on se gratte un petit peu la tête et on se dit, ah, donc je suis en in et je veux voir si je touche out avant de revenir en in. Donc je fais un pas de ma marche, c'est-à-dire que je choisis un voisin de in, uniformément au hasard. Et après, eh bien après, vu que j'ai fait un pas, si je touche in, c'est bien que j'y suis revenu, parce que je viens de faire un pas. D'accord? Donc, voilà. Alors, fin de la démonstration, mais fin de la démonstration de quoi? Eh bien, fin de la démonstration de montée, descente. Fin de la démonstration de la résistance effective, 1 sur la résistance effective est égal à le degré de in fois la proba. Voilà. Vous n'avez rien compris? Ah, au fait, vous pouvez vous réveiller l'algèbre linéaire, là, au fait, j'avais oublié de le dire. Vous n'avez rien compris jusqu'ici? Ce n'est pas grave. Parce que vous pouvez vous réveiller et vous regardez juste cette formule. Vous regardez cette formule et maintenant, on veut regarder notre théorème de Polya qui est encore au-dessus. Pédagogie, quand tu nous tiens. Alors, le théorème de Polya, il dit... Je me mets sur Z et je démarre de 0 et je me demande est-ce que je vais revenir à l'origine ou pas? Est-ce que je vais revenir à l'origine ou pas? Ah, mais c'est plutôt pas mal ça! Parce que ici, j'ai un truc qui me dit la probabilité qu'en démarrant d'un point, je touche out. C'est pas trop ce que c'est out, avant de retoucher in. C'est pas trop ce que c'est in. Mais regardez le truc là. Quelle est la probabilité en partant de 0, ici, que je touche l'infini
C'est beau, n'est-ce pas ? Avant de revenir en zéro. Eh bien, je prétends que c'est ça qu'on cherche, nous. Parce qu'en fait, toucher l'infini, c'est juste s'échapper. Donc, je ne vais pas faire la démonstration propre, c'est pas très compliqué, il suffit de faire des graphes de plus en plus grands à l'intérieur, parce que ça, c'était vrai pour des graphes finis, là, on est sur un graphe infini, mais croyez-moi, c'est ça qu'on cherche. Probabilité de toucher l'infini avant de revenir en zéro. Donc, ce que vous êtes en train de faire maintenant, grâce à cette formule, vous avez le degré, mais le degré, vous vous en fichez, là, c'est 2 fois ça, est égal à 1 sur la résistance effective. Mais la résistance effective de quoi ? La résistance effective de ce graphe que vous obtenez si vous branchez votre pile ici. Ça, c'est le pôle plus que vous branchez ici. Et le pôle moins, eh bien, vous allez le brancher à l'infini ici et à l'infini là-bas. Vous n'arriverez pas à faire ça dans votre garage. Mais en gros, imaginez que vous avez votre graphe qui est infini et vous voulez calculer la résistance de ce graphe entre un point et l'infini. Bon, bah maintenant, mais c'est pas grave, vous êtes électricien maintenant. Vous êtes électricien des graphes infinis et vous vous dites, mais c'est bon là, je la connais la résistance là. Vous vous dites, ouh non, c'est compliqué. Ok, c'est compliqué, je vais vous simplifier la tâche. Mon graphe, je prends que ça. Je prends une ligne infinie. Juste une ligne infinie. Et j'ai ma pile, je la branche entre 0 et le pôle moins, je vais la brancher à l'infini. Et je regarde ma pile à mon voltmètre et je me demande, est-ce que le courant passe ? Réponse ? Non. Pourquoi ? Ben vous pouvez la calculer, la résistance, ici. Si ça, ça a résistance 1, ça, ça a résistance 1, ça, ça a résistance 1, ça, ça a résistance 1. Quelle est la résistance de ça ? Vous m'avez dit, on m'a soufflé dans l'oreillette, des résistances en série, ça s'additionne. Donc ça, c'est résistance 4. Mais donc ça, c'est résistance 5. Donc ça, c'est résistance 6. Donc ça, c'est etc. Et donc, mon circuit, en fait, sa résistance effective, c'est égal à l'infini. D'accord ? Et donc, cette probabilité, elle vaut 0. Et donc, Polya a dit, un marcheur revient à l'origine à coup sûr. Ah bah oui, parce que la probabilité qu'il s'échappe pour aller toucher l'infini avant de revenir en 0 est égale à 0. Bon. Faisons le cas de Z2. Alors Z2, mon réseau, c'était ça. Donc pareil. Ah, oui, on me souffle dans l'oreillette. Ça, c'est N, c'est pas égal à Z. Qu'est-ce qui se passe si vous mettez ça ? Pardon ? Deux fois 0, ça fait 2 fois plus 0. Parce que 0 fois 0, c'est encore plus 0 que 0. Mais 0 plus 0, ça fait aussi 0. Mais est-ce que c'est 0 plus 0 ou 0 fois 0 ? C'est plus, hein ? Mais oui, parce que là, je viens de vous dire que vous avez votre point et vous avez votre réseau infini, là, qui va jusqu'à l'infini. Et je vous dis que la résistance, ici, vaut l'infini. Et je vous dis, OK, je suis sympa, je vous donne une autre possibilité d'aller à l'infini avec le même réseau, ici, mais dont la résistance est aussi égale à l'infini. Regardez ça. Ça, c'est quoi comme réseau électrique ? C'est un réseau électrique où vous avez un point qui est ici, c'est in, vous avez l'infini, qu'on va appeler out, et vous avez une première résistance ici est égale à l'infini, et une deuxième résistance ici, une résistance infinie. Et maintenant, vous utilisez la loi
Des résistances en parallèle. Les résistances en parallèle vous disent que leur conductance s'additionne. Les inverses des résistances s'additionnent. Donc l'inverse de la résistance ici, c'est 0. L'inverse de la résistance ici, c'est 0. 0 plus 0, ça fait 0. Et l'inverse de 0, ça fait l'infini. Donc ça, ça reste quand même une résistance infinie. C'est normal, hein, là, réfléchissez en termes de circuit électrique. Résistance infinie, c'est juste que le courant ne peut pas passer. Il ne peut pas passer là, le courant. Il ne peut pas passer là, le courant. Ben, il ne passe pas. D'accord ? Ok. Faisons le cas de Z2. C'est plus rigolo. Alors, le cas de Z2, toujours, vous êtes dans votre garage. Vous avez votre point in, là, et vous avez l'infini. Ah, j'aurais dû essayer de faire mon... Ouais, je ne vais pas y arriver. Infini, c'est out. Et vous vous demandez quelle est la résistance de ce réseau. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que là, là, c'était facile. C'était juste des résistances en série, etc. Mais alors maintenant, vous êtes astucieux. Vous vous dites, donc toutes les résistances ici, les résistances, c'est 1. Maintenant, je vais vous dire, ah, l'or, vous savez que c'est superconducteur, l'or, des fils d'or. Ou de cuivre, pour ceux qui ont un peu moins les moyens. Mais donc, on va dire du cuivre, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe si je remplace ça, qui était une résistance 1, par un fil de cuivre? C'est-à-dire que je mets résistance 0. Le courant passe tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé pour la résistance totale de mon circuit? Donc j'ai un circuit, il y avait une résistance de 1 ohm, je la court-circuite. Je mets un fil de cuivre par-dessus. Qu'est-ce qui se passe pour la résistance? Est-ce qu'elle augmente? Elle augmente, vous faites ça. Ou est-ce qu'elle diminue? Si elle diminue, vous faites ça. Alors, je refais, j'ai un circuit, j'ai une résistance de 1 ohm, je la court-circuite. Que fait la résistance? Non, ça, ça n'existe pas. Hein. Oui, il y en a un qui... Oui, à mort, c'est ça. Elle diminue la résistance. D'accord? Donc moi, je suis en train de calculer la résistance effective de Z2. Et je dis que la résistance effective de Z2, elle va être plus grande que la résistance effective d'un réseau dans lequel je vais remplacer certains liens par des fils de cuivre. D'accord? Et les fils de cuivre, je vais les mettre là. Vous allez voir. Mes fils de cuivre, alors quand c'est blanc, c'est égal à 1 ohm. Et quand c'est rouge ou vert, pas de dalle, rouge, rose, quand c'est rose, c'est égal à 0 ohm. 0 ohm. On voit pas de différence? Faut aller consulter, mais... Bon, bleu alors? Enlevez vos lunettes. Bon, je vais le faire avec le bleu. Alors, je vais mettre des fils de cuivre, je vais les mettre là. Ouh là là, faut pas que je les mette partout, faut que je réfléchisse un tout petit peu. Ok, bah, ce que je vais faire, c'est que les 1 ohm, je vais les laisser en rouge. Comme ça, on est complètement perdu. 0 ohm. Les 1 ohm, c'est rouge. Non. Oui. Oh là 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 là, je vais y arriver. On se calme. 1 ohm, c'est rouge. Alors, non, ça c'est rouge, 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 ça c'est rouge. Je le fais une fois, et après, et qu'est-ce que je fais en bleu? Ce que je fais en bleu, c'est les carrés là. Le carré là, bleu. Le carré là aussi, bleu. Tout ça bleu. Mais par contre, toutes les résistances qui sortent de ce carré, rouge.
Alors, pour ceux qui ne voient pas ce que je suis en train de faire, j'ai un carré ici qui est 2n, allez, on va faire 3 par 3 par exemple, 3 par 3, 4 par 4, 2 par 2, 2, allez, 2 4 par 4, on va y arriver. Voilà, ça c'était mon carré là. Et j'ai mis des résistances bleues ici, c'est-à-dire des fils de cuivre. Et tout ce qui sort ici, je mets des résistances de 1 ohm. D'accord ? Et le coup d'après, j'efface ça pour que vous voyez mieux. Le coup d'après, je fais pareil. Je mets tout ça en bleu. En bleu, je vous rappelle, c'est un fil de cuivre. Et en rouge, c'est ce qui sort. OK. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand je mets ce fil de cuivre ? Mettre un fil de cuivre, c'est comme si je connectais les bouts de ma résistance. Parce qu'un fil de cuivre, ça coûte zéro. C'est comme si je contracte. Hein ? Dans un réseau de résistance. C'est comme si je contractais tout. Alors, qu'est-ce qui se passe si je contracte ? Regardez ce qui s'était passé. Là, j'avais ça. Si je contracte tout ce qui est en bleu, il y avait un point ici. Il y a un point in. De ce point in, il y a quatre résistances qui sortent. Et il y a un point bleu, un pont bleu ici en cuivre qui me contracte tout. Donc j'ai un nouveau point ici. Ça, c'est un point bleu qui a été contracté. Et de ce point bleu, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 résistances qui sortent. Il y en a 12 qui vont vers un nouveau point bleu. Ce nouveau point bleu, c'est la contraction de celui-ci. Et de ce point bleu, il va y avoir encore plus de résistances. Combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 20 résistances. Alors, voilà le test de QI. 4, 12, 20. 72 ? 28. 28 résistances. Et le coup d'après ? 36. 36 résistances. Ah ! Mais ce circuit-là, là, je le comprends bien. Parce que ici, si j'ai 4 résistances de 1 ohm en parallèle, c'est quoi la résistance en fait ? Un quart. Donc la résistance là, c'est un quart. C'est quoi la résistance ici ? Un douzième. Parce que c'est des conductances qui s'ajoutent. Et pareil, ici c'est un vingtième. Et ici c'est un vingt-huitième. Donc la résistance totale entre mon point de départ et l'infini, eh bien c'est la somme. Et c'est quoi la somme de ces nombres ? Eh bien c'est la somme des 1 sur 4 facteurs de 2n plus 1 pour n plus grand que 0. Pour ceux qui sont en terminale, ils sont en train de avoir un peu peur. Mais ils ont tort d'avoir peur parce que c'est. Il n'y a pas de blanc hein, là. Mais ça vaut l'infini. Ceux qui sont en prépa disent à ceux qui sont en terminale, c'est bon, tu verras, c'est facile de voir que ça vaut l'infini. N'est-ce pas ? OK. Donc, la résistance effective de Z2, elle est plus grande que la résistance effective de ce réseau que je viens de calculer, qui est l'infini. Donc, la résistance effective de Z2, ça vaut l'infini. Ah ! Mais donc, si la résistance vaut l'infini, cette proba vaut zéro. Et donc, la probabilité de revenir à l'origine, elle vaut 1, parce que je ne peux pas m'échapper. Et donc, j'ai fait la deuxième. Oui ? Excusez-moi, mais là, vous avez choisi de mettre des résistances de 1 ou de 0. Oui. Mais, a priori, le graphe de départ, il y a des résistances de 1 partout. Oui. Oui. C'est pour ça que
il y a ce signe-là. J'ai dit que si je remplaçais des résistances de 1 ohm par des résistances de 0 ohm, je faisais diminuer la résistance. Et vous voyez que là, je suis en train de faire des mathématiques avec de la physique. Si vous écrivez ça dans un papier de maths, vous regardez comme ça. Hein. Ah bon ? Ah, ça, c'est une façon de justifier, mais en fait, non. Mais en fait, non. En fait, c'est vrai que la résistance effective est une fonction décroissante des résistances, mais pour le montrer, ce n'est pas de la tarte. Et en fait, on va utiliser une variation de ça pour regarder le cas de Z3, parce qu'il nous reste encore le cas de Z3. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut montrer ? Tableau 2. Montez. Il nous reste le cas de Z3. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on montre maintenant ? Eh bien, on veut calculer la résistance de l'espace. Au sens où vous avez votre réseau en 3D. Ça, c'est Z3. Vous avez l'infini. Alors, je vais essayer de faire mon truc. Ah, zut. Bon, bref. Ça, c'est l'infini. Et vous avez 0, l'origine, in. Et le but, c'est de calculer quelle est la résistance effective entre l'origine et l'infini dans Z3. Et le but, là, c'est cette fois-ci de montrer que cette résistance est finie. Parce que si on arrive à montrer que la résistance est finie, la probabilité qu'on a là ne sera pas nulle. Et donc, on aura une probabilité, en partant de l'origine, de s'échapper avant de revenir à l'origine. D'accord ? Donc, le but, c'est de voir que la résistance effective de Z3, de l'espace, elle est finie. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée ? La même chose, on met des cubes. Enfin, ça peut être des carrés à chaque fois, mais on va englober dans des petits cubes de plus en plus gros. Sauf que si on fait ça, là, on montrait que la résistance était plus grande que. Et là, ce qu'on veut à la fin, c'est plus petit que. Ça va dans le mauvais sens. On en rajoute en diagonale. Ça va devenir encore plus compliqué. Oui, mais oui, tout ça c'est bon. Oui. Pardon ? Couper des fils. On peut couper des fils. Ça, on peut, oui. On peut. Oui. Lesquels ? C'est comme dans les films, là. Il y a une bombe qui va exploser, il y a un fil à couper. Non, mais ça, c'est une bonne idée. Couper des fils, ça ferait diminuer, augmenter la résistance, donc ce serait bon. Alors, en fait, on va utiliser le principe de moindre action. On pourrait faire en coupant les fils, hein, mais c'est moins rigolo. Alors, est-ce que vous connaissez le principe de moindre action ? C'est le principe que vous pouvez invoquer quand vous voulez faire une deuxième sieste le samedi après-midi. Moindre action. Et alors, le principe de moindre action, vous l'avez peut-être déjà vu en physique. C'est Maupertuis qui dit ce principe, en 1700 et quelques, ce principe, si sage, si digne de l'être suprême, lorsqu'il arrive quelque changement dans la nature, la quantité d'action employée pour ce changement est toujours la plus petite qu'il soit possible. C'est le principe du rasoir d'Occam, sauf que, oui, aussi, oui, c'est la même chose. Donc, en gros, ce principe, il dit quoi ? Il dit que la nature est feignante. Et en maths, ce principe de moindre action, pour ceux qui connaissent, c'est en fait transférer quelque chose qui se définit par des équations locales en un principe variationnel.
Parce que les principes variationnels, c'est beaucoup plus facile pour donner des bornes sup et des bornes inf. Alors, je reviens à mes moutons. Le principe de moindre action, c'est la chose suivante. Supposons qu'on fasse l'expérience dans notre garage, que l'on branche notre batterie ici et à l'infini. Alors, il y a une certaine intensité qui va se balader. Il y a une intensité. C'est une expérience de pensée. Il y a une intensité A. Mais si je fais vraiment cette expérience dans mon garage, qu'est-ce qui va se passer? Mon garage va chauffer. Pourquoi il va chauffer? Parce que quand il y a une intensité qui se trimballe dans une résistance, la résistance chauffe. Parce que la résistance dissipe de l'énergie. Et l'énergie qu'une résistance dissipe, c'est quoi? Ri carré. Donc ici, c'est I carré. La I de E, E c'est mon arête. I de E carré, ça c'est l'énergie. Parce que R vaut 1. Énergie dissipée. En fait, oui, oui, c'est une puissance, bien entendu. Et je vais l'appeler énergie ou action. Alors, donc il y a une énergie dissipée. Et donc l'énergie totale dissipée, l'énergie totale, c'est la somme de toutes les intensités au carré pour toutes les arêtes dans mon graphe. Eh bien, le principe de moindre action vous dit que si vous prenez un autre courant, parce que le courant électrique, il est ce qu'il est, mais je pourrais mettre un autre courant que je vais appeler J. Ça, c'est un autre courant. Qu'est-ce que je veux dire par un courant? Un courant, c'est un truc qui rentre ici et qui s'en va à l'infini. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui rentre dans un sommet, il doit en ressortir. Exactement comme le courant électrique. Tout ce qui rentre doit ressortir. Et le principe de moindre action dit que si vous mettez un autre courant qui a la même intensité totale, parce que là, il y avait un grand I. Le grand I, I total, c'est l'intensité qui rentre ici et qui s'en va à l'infini. C'est le courant total. Le principe de moindre action dit que si vous avez un autre courant J, tel que J total est égal à I total, ça c'est mon courant électrique, alors l'énergie dissipée elle sera plus grande. C'est-à-dire que la nature a choisi le courant électrique qui, à une intensité totale donnée, minimise l'énergie dissipée. C'est ça le principe de moindre action. C'est physique, hein, là. Vous faites de la physique, vous devez me croire que la nature a bien fait les choses de façon à ce que l'énergie dissipée par le courant électrique soit la plus petite énergie possible une fois que je me suis donné une intensité. Vous y croyez? Il y a intérêt parce que c'est vrai. C'est vrai, je ne suis pas en train de dire que le principe de moindre action en physique est vrai, je suis en train de vous dire que ça, c'est aussi un théorème de maths. Que si vous prenez n'importe quel courant de même flux que le courant électrique, alors ce machin-là est plus grand que ce machin-là. Bien. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? On vient de dire, c'est l'énergie qui est dissipée par toutes mes résistances dans mon garage. Mais je vous ai dit aussi, et vous devez toujours me croire, que mon réseau, c'est comme s'il y avait une grosse résistance de résistance RF, REF. C'est quoi l'énergie dissipée par cette grosse résistance? C'est I total R I carré, vous m'avez dit, donc I total carré fois la résistance effective. D'accord? Donc on a ça. Ouh là là! Ça, c'est de la physique. Ça, c'est de la physique. Mais vous voyez que si je veux dire que résistance effective est finie, il suffit que je trouve un courant J d'énergie finie.
Alors, je vais abréger vos souffrances. Ce courant, le voici. On peut en faire un. Alors. Ouais, c'est normal. Excusez-moi, tout ce qu'on vient de dire là, c'est valable pour Z2 et Z2. Oui, oui, sauf que la preuve ne marche pas. Parce que tout est tout. Absolument vrai, absolument vrai. Sauf que pour Z2, vous ne trouverez jamais. C'est facile, hein. Pour Z, pensez à N. Pensez à N. Quels sont les seuls courants dans N? Ben, si vous mettez un courant, c'est le même partout. Donc vous décidez de mettre une intensité. Par exemple, vous mettez 1 ici. Ben, ce qui rentre là doit sortir ici. Donc 1, donc 1, donc 1, donc 1, donc 1. Donc, si vous faites la somme de ces machins au carré, ça explose. Donc, tout est vrai. La conclusion sera fausse. Parce que... OK, donc revenons à nos moutons dans Z3. Dans Z3, voilà ce que je vais faire. Je vois mon Z3 comme inclus dans R3. R3, vous le connaissez, c'est ça. Et ce que je vais faire, c'est... Je vais me mettre au milieu de Z3, en 0. Je vais... Ça, c'est mon 0. Je vais tirer un rayon lumineux au hasard. J'ai mon petit pointeur laser. Je tire un rayon lumineux au hasard. Ça, c'est mon rayon lumineux, gamma. Après, ce que je fais, c'est que j'approxime ce rayon lumineux par un chemin discret, le plus proche possible. Voilà. Ça, c'est un chemin gamma, grand gamma. C'est un chemin discret qui approxime mon rayon lumineux. Et bien je pose J d'une arête E, j'ai une arête E ici, orientée, et bien c'est juste la probabilité que mon arête soit tirée, soit empruntée pardon, par mon chemin gamma. Allez comprendre pourquoi. Bien je prétends que si vous faites ça, c'est il faut se gratter la tête 30 secondes, peut-être un petit peu plus, mais c'est absolument évident que ça, c'est un courant. C'est-à-dire, tout ce qui rentre doit ressortir, sauf à l'origine et à l'infini. Et je vous laisse en exo, parce que j'ai envie de vous montrer d'autres choses, je vous laisse en exo de voir que ce courant-là, eh bien, il est d'énergie finie. Et c'est cette conclusion-là qu'on ne pourrait pas avoir dans Z et Z2. On pourrait très bien définir ce même courant, mais il ne serait pas d'énergie finie. OK. Je fais exprès de ne pas conclure la preuve ici, et je fais un commentaire. Il y en a peut-être qui me regardent depuis le début avec des yeux comme ça, soit parce qu'ils ne comprennent pas, soit parce qu'ils ont déjà vu ce théorème. Et quand ils ont vu ce théorème, ils se disent « Mais la preuve que j'avais vue était 8000 fois plus simple ». Parce qu'on recalculait juste des retours en zéro de la marche, c'était super simple, il y avait juste Stirling. Ceux qui ont vu ça, ils me regardent et me disent « Mais dans ce cas, ça fait une heure et demie que vous êtes en train de faire le pitre. » Eh bien, à ces gens, je réponds que si dans Z2, j'enlève une arête, n'importe laquelle, vous en prenez une, vous l'enlevez, eh bien, la preuve qui consiste à calculer l'espérance du nombre de retours en machin en zéro, elle s'effondre misérablement. Tout par terre. Tout est par terre. Un château de cartes. Pouc, on a tout touché. La preuve est par terre. Tandis que là, ce que je viens de faire, vous voyez très bien que si j'enlève une arête, en fait, on l'a fait. Si j'enlève une arête, c'est super robuste. La résistance, elle reste infinie. C'est pas, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est la bonne approche pour montrer le théorème. Et c'est l'approche qui est robuste. Donc ça, c'était juste un commentaire off pour ceux qui connaissaient. Je reviens à des choses un petit peu plus rigolotes. Ceux qui n'ont rien compris jusque maintenant, vous pouvez vous réveiller. Excusez-moi, mais finalement, le plus fondamental de tout, c'est si on va à droite, et nous ne démontrez pas. On fera un vote à la fin, mais vous savez, il faut garder un peu de mystère dans la vie.
On fera un vote à la fin. On fera un vote à la fin. Je préfère garder les trois neurones qui restent à moi et peut-être aux autres pour vous montrer des choses plus distrayantes et on y revient, sans problème. Sans problème. Ok. Je vais parler d'un autre truc complètement différent. Des graphes planaires. C'est quoi un graphe planaire ? C'est un graphe qu'on peut dessiner dans le plan. Un truc que vous pouvez dessiner sans que les arêtes se croisent. Et vous avez tous déjà vu cette petite histoire qui vous dit vous avez trois maisons, A, B, C, vous voulez les relier au gaz, à l'électricité et à l'eau, oui, parce que j'allais dire à l'internet, mais maintenant avec le wifi on s'en fiche, donc tac. Et ben, vous ne pouvez pas le faire sans que les conduites se croisent. Ce graphe-là n'est pas planaire. Il n'y a aucun moyen que vous le dessiniez dans le plan sans avoir des croisements. Mais si vous enlevez une arête, par exemple celle-ci, alors vous pouvez le faire. Ça, c'est le même graphe. J'ai enlevé l'arête ici et je l'ai dessiné de manière planaire. D'accord ? Bon, alors ça, c'est une définition enfantine, hein, graphe planaire. Voici une question qui est un petit peu moins enfantine. C'est, je vous donne un graphe planaire. C'est infini connexe. Est-ce que je peux le dessiner avec des arêtes droites ? Ça paraît pas si évident parce que lui, je l'ai dessiné, mais pas avec des arêtes droites. Est-ce que je peux le dessiner avec des arêtes droites ? Alors, c'est une question mathématique, mais c'est aussi un jeu. Alors, on va voir si ça marche. Ouais ! Planarity. C'est un jeu, vous allez sur Google, ça s'appelle Planarity, et ben voilà, vous avez un graphe qui est planaire, et vous devez bouger les points jusqu'à ce que le dessin soit planaire. Là, ça va pas. Ouais, c'est bon, click here when you're done. Alors, j'ai mis 121 minutes pour le faire, j'étais pas très bien. Voilà, après, vous prenez ça, vous mettez ça là, peut-être ça comme ça. Ça, peut-être, ça va ici, là. Ça, là. Et ça marche toujours pas. Il y a celui-là qui est embêtant. Ouais ! C'est bon, là ? Ouais. Alors, on va faire le level 10, hein, directement. Ouh ! Ah ouais ! Ouais. Bon. Oui, il fallait que je fasse ça parce qu'il y a des bonnes blagues, hein, quand même. On va revenir à nos moutons. Est-ce que je peux le... Est-ce que le truc là, le level 10, est-ce qu'il y aura une solution ? Est-ce que je peux le dessiner avec des lignes droites en bougeant les points ? Oui. Il y a trois mathématiciens qui l'ont démontré indépendamment, ils ne se connaissaient pas. Monsieur Wagner, Monsieur Fari et Monsieur Stein, en 1936, 1900 je ne sais plus quoi et 1951, ils ont montré... qu'on pouvait dessiner tout graphe planaire fini simple connexe avec des lignes droites. Mais ça vous dit, vous pouvez. Maintenant, si vous revenez au truc là, vous vous dites, ouais, d'accord, merci, je peux, mais comment je vais faire ? Donc, vous revenez au truc, et donc vous dites, d'accord, mais est-ce que je vais avoir un algorithme pour le faire ? Est-ce que si vous me donnez un graphe, comme ça, planaire, vous allez y arriver ? Oui ! Il y a un monsieur qui vous l'a dit un peu plus tard, monsieur Tutte, William Thomas Tutte, que voici, quand il avait X1 et X2 années. Visiblement, il gardait toujours les mêmes lunettes. C'est un homme fabuleux, il a une histoire rigolote. C'est un fils de jardinier et d'une femme de ménage, anglais, dans les années 1917, à peu près. Et il n'y avait pas de sous. Ses professeurs l'ont remarqué quand il avait 10 ans. Ils disaient, il n'est pas bête, celui-ci. Ils l'ont envoyé à Cambridge. À Cambridge, il a fait des étincelles. Il a fait, façon de parler, il a fait de la chimie. Beaucoup de chimie. Il était tellement fort en chimie, que ça ne sort pas de cette salle. Hein. Il était tellement fort en chimie qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, tu devrais peut-être faire des maths. Alors après, il a fait des maths. Et il était tellement fort en maths que pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été envoyé, vous savez, avec Turing, machin, pour essayer de décoder les machines Enigma allemandes.
Sauf que Turing, il faisait le truc facile. Parce que Turing, on avait une machine Enigma. Vous savez, dans les sous-marins, il y en a une qui a été chopée de machine Enigma. Mais il y en avait une autre, c'était la machine Tunny, qu'on n'avait pas réussi à choper. Ils l'ont eu qu'en 1945, quand tout était fini. Ils ne l'avaient pas, celle-ci. Eh bien, vous êtes bien bête, hein. Eh bien, ce monsieur-là, Tut, il n'avait pas la machine, il ne savait pas comment elle fonctionnait, mais il a quand même réussi à décrypter les messages. C'était pas la moitié d'un banquignol. Hein. Donc voilà. Et donc nous, il nous dit que, revenons à notre truc, après il a été au Canada, tout ça, il nous dit qu'on peut dessiner des graphes planaires de façon algorithmique, et son idée, c'est toujours mon truc, c'est de vous faire parler des intuitions mathématiques en venant de la physique. Son intuition, c'était de mettre des ressorts sur les arêtes. Pourquoi ça ? Ben, voilà, donc Tut, il dit, son idée, mettre des ressorts sur les arêtes, sous une petite hypothèse que je n'explique pas ici, on peut dessiner n'importe quel graphe planaire, une fois qu'on s'est fixé une face externe convexe, de telle façon à ce que chaque sommet interne soit barycentre de ses voisins. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai des ressorts. Qu'est-ce que c'est que ces ressorts ? Alors, je vais vous montrer la simulation dont je suis le plus fier. Zut ! Ah, voilà. Ah ! Alors là, vous avez un graphe planaire. Attendez. Où est-ce qu'elle est, ma souris ? Voilà. Vous avez un graphe planaire et j'ai mis chaque arête un ressort fictif. Et les ressorts font ce qu'ils font, physiquement, c'est-à-dire ils tirent. Et le théorème de Tut vous dit que vous pouvez fixer une face externe convexe, ici il y a un pentagone qui est convexe, et qu'une fois que vous avez fixé ceci, donc là il y a des punaises. Là, il y a des punaises. Donc je fixe mes punaises, et après à l'intérieur, je laisse mes ressorts faire ce qu'ils font, et ils font ça. Et vous voyez que ça dessine un graphe sans croisement. Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. On peut bouger là, vous voyez ? C'est assez magique. Oui, bon, d'accord. Ah, bah oui, c'est plus convexe, là, ça se croise. Mais tant que la face est convexe, ça ne se croise pas avec des ressorts. C'est joli, hein ? Et alors, on peut même faire Spring Better. Et là, ouais, des ressorts, mais le problème, c'est que je ne vous ai pas fait ça, c'est parce qu'après, ça rame. Et là, ça rame un peu. Ça va faire planter mon truc. Mais là, c'est des vrais ressorts. C'est joli. Hein ? C'est quoi le rapport avec le Schmilblick ? Oui ? C'est un très bon point. On en parle après, ça. Parce qu'il faut que je vous dise que c'est une face. Quand vous avez le graphe, vous n'êtes pas sûr que c'est une face. Mais il n'y a pas beaucoup de choix. En gros, vous essayez 3-4 fois, et après, il y en a une qui va marcher. Mais très bon point. Être une face, ce n'est pas dit dans le graphe. Mais je veux juste attirer votre attention. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai des ressorts. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis en équilibre ici ? Je suis en équilibre, le ressort, plus il est allongé, plus il tire, hein, c'est ça, de manière linéaire. Donc mes ressorts sont en équilibre si et seulement si ce vecteur-là, plus ce vecteur-là, plus ce vecteur-là, plus ce vecteur-là est égal à 0. Ouais. C'est-à-dire que si je vois mes points comme des points du plan complexe, c'est juste de dire que la position ici au sommet X, c'est égal à la somme des P de Y moins P de X pour les Y voisins de X. Pardon, parce que ça c'est égal à 0. C'est la somme de mes vecteurs qui est égale à 0. Bon, on l'a déjà vu, ça c'est la même chose que de dire que P de X est égal à 1 sur degré de X de la somme des P de Y pour Y voisin de X. C'était nos plongements avec les propriétés de la moyenne, sauf que maintenant,
les quantités ici ne sont plus des quantités réelles, mais sont des quantités vectorielles ou des quantités complexes. Mais pour ceux qui ont compris la preuve de tout à l'heure, ils se disent, c'est tout pareil, ça marche exactement pareil. Si je mets des complexes à la place de réels, ça marche exactement pareil. Donc, la preuve de tout à l'heure vous dit directement que ce plongement existe. Le coup des ressorts, là, ça existe. Et je vais terminer avec ça. Le coup des ressorts, et en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais le coup des ressorts avec un graphe planaire qui est lui-même aléatoire. C'est-à-dire, je vais prendre un graphe planaire qui est lui-même aléatoire et je vais le dessiner dans le plan avec des ressorts. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit un truc comme ça. Donc, ce n'est pas du tout un truc auquel vous pourriez vous attendre, un truc où les points sont bien mis, bien uniformes. Et en fait, si on prend des simulations dues à Jason Miller avec des graphes qui sont de plus en plus grands, on voit qu'il y a un phénomène de clustering où il y a certains points où ça devient très dense et certains points où c'est pas dense. Et des choses comme ça, oui, c'est assez joli. Et bien ça, c'est relié à la théorie physique de la gravité quantique deux dimensionnelle. Et pour terminer la boucle, cette théorie physique de gravité deux dimensionnelle, elle démarre là où Feynman, en 1940, a dit « Ah, mais je vais faire des intégrales de chemin, machin, des choses comme ça. » Et c'est quoi ces intégrales de chemin, là, Feynman ? Ben, c'est juste de réutiliser le principe de moindre action en physique quantique pour boucler la boucle. Et vous voulez que je... Ou... Ça ? Bon. Il y en a qui ont essayé. Ok, bon, c'est pas très compliqué, en fait. Vous me croyez que ça, c'est un flot ? Enfin, un courant ? En gros, vous tirez une direction et vous envoyez le courant le long de cette direction. Vous retirez une direction, vous envoyez le courant le long de cette direction. Et vous faites ça pour une direction aléatoire. C'est ça, cette formule. Bah, je vais vous le faire, regardez. Alors, donc qu'est-ce qu'on veut prouver ? On veut prouver que ça, c'est fini. C'est ça, notre but. Donc, je reprends ce machin-là, J de E au carré. Mais J de E, je viens de vous dire que J de E, c'est la probabilité que mon chemin discret, c'est un chemin discret qui approche un rayon lumineux au hasard. Mon chemin discret contient mon arête E au carré. Alors maintenant, vous vous dites... Donc le but, c'est de voir que cette quantité est finie. Donc maintenant, vous êtes dans... Je vais faire le dessin en planaire, mais c'est... il faut penser dans Z3. Je vais faire le dessin planaire. Le dessin planaire, c'est que vous avez votre réseau, comme ça. Vous avez un rayon lumineux, comme ça. Ça, c'est votre rayon lumineux, gamma. Et vous avez un chemin discret qui l'approche, qui fait ça. Ça, c'est votre chemin gamma. Alors, maintenant, vous allez vous dire, ah, je vais écrire ça de la façon suivante. Je vais regarder en fonction du rayon. Le rayon R, c'est grosso modo la distance entre l'origine et mon arête E. Donc, je prends une arête E, quelque part, ici. Je regarde cette distance que j'appelle R. Et donc, maintenant, je vais sommer sur toutes les arêtes à distance R de la probabilité que E soit choisi par mon chemin au carré. Et alors là, on réfléchit un petit peu et on regarde dans Z2. Vous prenez une arête, disons une arête comme ça. Si la distance est R, quelle est la probabilité que cette arête soit choisie par mon chemin lumineux gamma ? Ben, il faut que mon chemin lumineux parti d'ici vise bien l'arête. Hein. Parce que s'il va là, ça ne passera pas. Donc il faut qu'il vise bien l'arête. Il faut qu'il passe très loin de l'arête. Mais c'est quoi l'angle là ? C'est quoi cet angle ? Grosso modo.
Vous êtes à distance R, alors imaginez, vous êtes sur la Terre, vous êtes à distance R, pensez à R super grand, et vous avez une cible de 1. C'est quoi l'angle ? 1 sur R, grosso modo, cet angle. L'angle, c'est 1 sur R. Ah, mais attention ! On est en 3D. Donc ça, ce serait en 2D. En 3D, c'est pas ça. En 3D, c'est j'ai une cible à R, et il ne faut pas que je la loupe, mais j'ai un angle solide. J'ai un petit cône. Alors, c'est quoi cet angle solide ? C'est la surface de mon machin à distance R. Mais à distance R, c'est quoi la surface totale ? R2. Et la surface que je vise, c'est à peu près 1. Donc c'est 1 sur R2. Donc cet angle qui est un angle solide en 3D, c'est 1 sur R2 en 3D. Et donc maintenant ça, je vous dis que la probabilité que E soit dans gamma, c'est que mon angle solide, j'ai tiré mon rayon lumineux pile poil dedans. Donc c'est 1 sur R2, le tout au carré, c'est ce carré-là. Ah, donc j'ai une somme sur R, une somme sur toutes les arêtes à distance R de 1 sur R4. Grosso modo, combien j'ai d'arêtes à distance R ? Ça, c'est les arêtes à distance moins que R, R cube. Mais les arêtes à peu près à distance R, j'en ai R carré. Donc là, il y en a R carré à peu près. Donc toute cette somme, c'est à peu près somme pour les R plus grands que 1 de R carré divisé par R puissance 4. Donc ça, ça fait 1 sur R2. Et ça, ça converge. Et là, vous voyez que si on avait fait le calcul dans 2D, on n'aurait pas eu 1 sur R2, on aurait eu 1 sur R. Donc 1 sur R au carré, ça fait 1 sur R2. Mais ça, ça aurait été R. Et on aurait eu la somme des 1 sur R. Et la somme des 1 sur R, on l'a déjà vu, enfin on l'a déjà utilisé, elle diverge. Et donc c'est là où on voit la grosse différence entre dimension 2 et dimension 3. Merci. Quasiment tout ce que je viens de raconter, c'est dans le petit bouquin en anglais, Doyle and Snell, Random Walks and Electrical Networks. C'est gratos. Vous tapez ça Doyle and Snell sur Google. Premier lien, c'est le PDF. 80 pages. C'est une très, très bonne lecture de chevet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux questions ? Ou une question pour commencer ? Bonsoir. Si on revient à l'histoire de Polya, est-ce que le temps peut constituer comme une autre dimension ? Le temps ? Oui. Très bonne question. Veuillez préciser votre question. En fait, ce qui se passe, c'est que même en dimension 1, en dimension 1, qui est grosso modo la dimension là où on revient le plus souvent à l'origine, il y a le temps moyen que l'on met à revenir à l'origine, c'est infini. Le temps moyen. On va revenir à l'origine, mais l'espérance du temps, ou le temps moyen que l'on met, est infini. Ça ne répond pas à votre question, n'est-ce pas ? Enfin, c'est un début de réponse. Ben parce que si vous voyez la dimension temporelle comme une dimension orientée, ben bien sûr que vous ne pouvez pas être récurrent, en fait. Si vous voulez que je réponde... Oui, si vous voyez la dimension temporelle, donc vous mettez Z ici, comme ça, et vous mettez le temps ici, ben vous avez un truc comme ça. Ça fait une marche aléatoire. Mais cette marche aléatoire, elle ne reviendra jamais ici, vu qu'elle avance comme ça. Donc la récurrence transience n'a plus
vraiment de lieu d'être posé comme question, mais il y a d'autres questions. Par exemple, l'espérance du temps moyen de retour, ça je... Donc il y a récurrence transience, c'est tout bête, c'est toujours transient, mais par contre il y a l'espérance du temps de retour qui est une bonne question. Merci. Peut-être une dernière question, pas trop débordé. Justement, pour cette question du temps, vous avez parlé pour revenir à zéro, mais pour un rayon déterminé, le temps qu'on met pour revenir dans ce rayon-là, est-ce que c'est pareil, c'est plus infini ? C'est toujours la même chose, c'est R carré. R carré pour aller à distance R. Z, Z2, Z3, Z4, c'est toujours R carré pour aller à distance R. Peut-être une dernière question. Je réponds trop vite, c'est ça ? Je peux prendre mon temps, hein. Alors, laissez-moi réfléchir. En fait, du coup, je vais peut-être piquer un peu une question de quelqu'un, mais j'aimerais bien que vous répondiez à la question sur le graphe et pourquoi on peut dire, enfin, ce qui est une face et ce qui n'est pas une face externe du graphe. Alors, où est-ce qu'on est ? Ah, voilà. Là. On va prendre un sommet, là, lui. Ah, il a 1, 2, 3, 4 voisins. On va prendre une arête au pif. L'arête, on va prendre entre lui et lui. D'accord ? Ça, c'est une arête. Donc, dans mon graphe, s'il est planaire, c'est une arête quelque part. D'accord ? Mais... moi, je veux une face convexe. La plus simple de toutes les faces convexes, c'est un triangle. Si j'ai un triangle, c'est bon, c'est fini. Donc, moi, ce que j'aimerais trouver, c'est un troisième point, tel que ça, ce soit, ça fasse partie d'une face. Si je vous donne trois points, 1, 2, 3, tel que ça, ça fait partie d'une face, c'est bon. Mais vous n'êtes pas sûr de ce point-là parce que, par exemple, si je vous donne ce point-là et ce point-là, c'est-à-dire ces trois trucs-là, ben là, c'est pas une face, parce qu'il y a ce mec-là. Ça ne fait pas un début de face. Mais ce que je suis en train d'essayer de vous raconter, c'est qu'une fois que vous vous êtes fixé cette arête, vous regardez les voisins de ce mec-là, ou alors les voisins de ce mec-là. Donc là, on était ici, vous regardez les voisins de lui. 1, 2, 3, 4, dont lui, donc il y en a 3 ici. Et vous regardez les voisins de ce mec-là, 1, 2, 3, si, donc il y en a 3. Ce que je vous dis, c'est qu'il y en a bien un des 3 pour lequel vous avez ce truc-là avec personne ici. Si vous prenez celui-ci, peut-être que ça ne va pas marcher. Si vous prenez celui-ci, ben, là, ça va marcher parce qu'il y a une face. En gros, c'est que si vous prenez celui-ci que ça ne va pas marcher. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est vous dites, je prends celui-là, je le mets là. Je prends celui-là, je le mets là. J'en prends un des deux autres au pif, je le mets là. Et bien, il y a 2 chances sur 3 que ça marche. Là, j'ai fait mon triangle. Je mets des ressorts partout. 2 chances sur 3 que ça marche. Si ça ne marche pas, et bien, je prends l'autre ici, lui. Et je le mets à sa place, là. Et lui, je le laisse ressort. Et là, si ça n'a pas marché à l'autre, ça va marcher ici. D'accord ? C'était la question de... ça va comme réponse. Il y a plus malin, hein, mais... bon, une dernière. Vous avez dit que vous vous serviez de la physique pour démontrer. Est-ce qu'en retour, vos recherches ont une utilité en physique ou en... est-ce que la physique... J'aurais dû dire plutôt l'intuition. Là, dans ce truc-là, il y a beaucoup d'intuition. Ça peut être physique, ça peut être mécanique, ça peut être... la ressource, c'est de la mécanique. Il y a beaucoup d'intuition qui guide la preuve mathématique. Et c'était ça que je voulais illustrer. Et c'est pour ça qu'à la fin, là, je peux dire, j'ai pas mal utilisé d'intuition en disant, oui, si je diminue, c'est plus petit. C'est pas des preuves, ça.
c'est pas des preuves, parce qu'il faut démontrer que si je diminue une résistance, le truc diminue. Ça, c'était pas une preuve mathématique. Mais par contre, on peut utiliser énormément d'intuition physique pour guider la preuve mathématique. Ça, c'est la première partie de votre réponse. La deuxième partie, je pense pas que les physiciens soient super intéressés par mes travaux. Mais... Bon, bah, je vous propose de remercier Nicolas encore une fois. Et prochain rendez-vous le samedi 3 février avec un exposé d'Irène Valspurger qui nous parlera de minimisation de fonctions convexes et d'applications. Et il y a un petit goûter qui nous attend juste dehors. Et si vous avez des questions pour Nicolas, n'hésitez pas à venir lui poser des questions jusqu'à minuit.